Y a quelqu'un ? Je vais passer par là. C'est pas vrai. Qu'est-ce que c'est que ces symboles ? Qu'est-ce que je suis en train de faire ? Oh non, c'est de la folie. Ce masque de nos traditionnels représente une méchante femme à l'apparence de démon. Il y a des traces de peinture blanche à l'intérieur. La personne qui utilisait ce masque était issue de la noblesse. Qu'ils suivent le sentier. C'est un peu affreux. Tu as entendu ?
la fumée. On est en route. Lara, tu es vivante. Sam, Dieu merci. Surprise. C'est bon, il est avec nous. Désolé de vous avoir fait peur. Cet endroit a le don de rendre les gens nerveux. Nous venons de contacter vos amis. Ils sont en route. Regarde, il a soigné mon pied. C'était le moins que je puisse faire. Excusez-moi, je me présente. Je m'appelle Mathias. Je suis enseignant. Je n'ai pas vraiment été formé pour la survie, je le crains. Lara, t'as l'air épuisée. Assieds-toi. Oui. Sam était en train de me parler de la reine solaire. Oui, Nico. Vous pouvez m'en dire plus. Ça m'intrigue. Eh bien, croyez-le ou non, il y a environ 2000 ans, la reine Nico régnait sur pratiquement l'ensemble du Japon. Elle adore raconter cette histoire. Nico était superbe, énigmatique, mais aussi intraitable et autoritaire. La légende dit qu'elle avait des pouvoirs chamaniques. En général, vous voyez, c'est là que je décroche. Il y a pourtant toujours du vrai dans les mythes. Elle était à la tête d'une armée de guerriers samouraïs, les puissants gardes-tempêtes. Ils commandaient aux éléments sur le champ de bataille, dévastant tout sur leur passage. On dit que la reine ordonnait au soleil de se lever et qu'elle régnait sur tout ce qu'il touchait de ses rayons, depuis les montagnes jusqu'aux mers. Mais que lui est-il arrivé ? Sam ? Mathias ? Sam ? Sam ? Avec vous ? Elle était avec toi. Elle était là, avec cet homme, Mathias. Et je me suis endormie. À mon réveil, ils avaient disparu. Vous n'auriez jamais dû partir comme ça. Il faut qu'on les retrouve. Hé, oh, 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 hé, hey, Ross. Ok, on se sépare. L'un de nous part rejoindre Ross avec Lara. Les autres se dispersent pour chercher Sam. Je vais avec elle. Non, 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 je vais y aller. Vous savez vous servir de ça ? Ça fait longtemps, mais ça va me revenir. Trouvez Ross. On se charge de Sam et de ce Mathias. Est-ce que ça va aller ? Oui, j'ai juste besoin de me reposer une minute. Très bien. Ne bougez pas. Je vais jeter un œil. Ok.
C'est pas si mal. Par où commencer? Bon. Je m'appelle Lara Croft. Je suis archéologue. Je fais partie de l'équipage de l'Endurance qui a fait naufrage sur une île dans le Triangle du Dragon, à l'est du Japon. Cet endroit est... incroyable. J'ai vu des épaves vieilles de plusieurs siècles. Nous n'étions pas les premiers. Et je sais maintenant que nous ne sommes pas seuls. Je n'arrive pas à croire que nous menons une expédition pour retrouver la terre natale de mes ancêtres. Depuis que j'ai raconté l'histoire de Himiko à Lara, il y a des années, elle cherche le Yamatai. Je n'avais jamais pensé que toutes ces histoires pouvaient finalement être... Ça ne me dit rien qui vaille. Montez sur la colline! Cherchez le grand portail! Vous auriez quand même pu me prévenir pour les loups, docteur. La voie est libre! Montez! Deux styles bien distincts. Le portail est ancien, mais c'est mis en place. Construit récemment.
fascinant. Je les ai déjà vus. Il doit s'agir d'un rituel. Cette figure féminine est particulièrement intéressante. On dirait que ça a été fait récemment. Oui, par les gens de l'île, sans doute. En jugé par ces épaves, ils ont fait naufrage. Tout comme nous. Remarquable. Ouais, reste à espérer que nous ne finirons pas comme eux. Essayez d'actionner l'autre. Il n'y a pas de poignée. Ensemble. Ah non. C'est pas assez solide. Il me faut un objet qui puisse me servir de manivelle. On va trouver quelque chose. C'est incroyable. Ça devrait suffire. Voilà, j'ai de quoi améliorer mon piolet. Lara est en pleine crise de confiance, alors j'essaie de faire bonne figure. Mais cette expédition ne me dit rien qui vaille. J'en ai mal au ventre. À mesure que nous approchons du triangle du dragon, je sens que la nausée me gagne. Et ce n'est pas un excès d'enthousiasme. Qu'est-ce qui m'arrive? Je devrais être contente.
peut servir de rampe. Il doit y avoir un moyen de la remonter.
un de plus, ça devrait aller. Maintenant. Ce tissu doit être inflammable. Ça a marché. Thank you.
Ça devrait suffire.